3144 mètres, arrivé au sommet du pic du Taillon, là, du côté de Gavarnie. Belle ascension, belle ascension. Parti depuis le parking du col des Tentes ici. 7 km 8, 2h34. Moi, j'ai pas traîné, je suis pas là pour acheter du terrain. Je vais vous montrer un peu la vue. La vue est vraiment, ben c'est sûr, hein, quand on dépasse les 3000, la vue est incroyable. Et puis du côté de Gavarnie, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Avec des couleurs, je crois qu'il y a Yac ici qu'on voit ça. Je pense que c'est un des plus beaux sites des Pyrénées. Là, on est plein ouest. Avec, on distingue au fond, ben, le Bal et Tous, il y a le Palace. Ah, derrière, entre les deux, on le voit un petit peu, il y a le pic du Midi d'Ossau. Lui, je crois que c'est le Lurien. Voilà, ici on a le massif du Vignemale, avec le Vignemale plus haut sommet des Pyrénées françaises à 3298, il me semble. Là, vue du côté de Gavarnie, avec bah, les pistes, il y a les pistes ici. Ici, on a le pic du Midi de Bigorre. Avec le Néouviel. Ceux qui sont par là, je les connais pas bien. Ici, on a le petit Astanzou, le Marboré, 3200 et quelques. Le Cylindre, 3003. Le Mont Perdu. Ça, c'est en Espagne. Le Mont Perdu à plus de 3300 mètres. Avec. Bah, le casque de la brèche entre les deux. Hop, je vais m'avancer un peu ici, bah, vue sur le canyon d'Ordesa, c'est vraiment pas mal. Et là, sommet, il n'y a personne. Le matos. Il y a moi. Coucou. Et il n'y a personne. C'est ça qui est bien. Il y avait deux petites corneilles tout à l'heure, mais là, terminé. Sans partie. Je vais aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Petit refuge, il y a moyen de bivouaquer ici. Là, il fait beau. Allez, je vais aller voir. On va voir la cascade. Ah, je vois la cascade ici. Je zoome un peu. Ouais, on la voit un peu. Cascade de Gavarnie, la plus haute d'Europe. Si je dis pas de bêtises. Je vais m'avancer un peu. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah, il y a la crête. Je vais pas continuer. En tout cas, super site Gavarnie, c'est. Alors c'est usant. C'est monté, elle m'a usé, surtout après la journée d'hier, là, à plus de 20 km du côté du Marboré. Mais ça vaut le coup, les paysages, c'est incroyable, il y a de tout, il y a de la pierre, il y a du vide. Il y a de la neige, des super couleurs. Très beau site. Voilà, je vous le recommande. Allez, salut!